tranquille. Tout à l'heure, j'avais mis Cuba, ni d'espion, mais finalement, je vais juste mettre Paz est une pute. Et du coup, c'est Metal Gear Solid Ground Zero S. Voilà. Monde ouvert, il me dit, d'accord. Oui. Ouais. Faut le dire vite quand même. Oui, voilà, c'est ça, mais faut vraiment enculer les mouches, quoi. Ah oui, là, par contre, oui. Les autodiag autistes, c'est vraiment les pires des sous-races. Ah oui, ouais, je suis d'accord. Autodiag n'importe quoi, hein, d'ailleurs. Hein. Le seul truc que tu peux t'autodiag, c'est obèse. Ou du coup, t'as pas vraiment besoin d'avoir de confirmation. Ouais, ça, bon. Paz ni habite, tu penses? Moi, je suis vraiment autiste, diagnostiqué à l'hôpital. Ah, on en a quelques-uns, Dominique, t'inquiète pas. Et de toute façon, on te respecte pas que tu sois autiste ou pas, hein, donc on respecte personne. C'est ça, on s'en bat les couilles. Hein. Donc voilà, ça pose aucun problème. Pour nous, tu restes un gros con, et voilà. Et c'est aussi la beauté de la chose. Ouais. C'est aussi la beauté du geste. Hop, allez, on va partir là-dessus. Tac, on va virer le Helgato. On va passer sur Metal Gear Solid Ground Zeroes. Ground Control to Major Tom. Si t'y pars. Alors, 2014. Ouais. Putain, il est si vieux que ça. Ouais. Oh. S'il est sorti genre quoi? En 2014. Un ou... Attends. Il est sorti genre un an avant MGS5, non? C'est ça, ouais, c'est à peu près ça, je crois. C'est ouais. 2014. Ah vache. Et pour le coup, faut savoir que le fight contre Paz, la difficulté varie selon les upgrades que t'as mis à Zeke. Oh ça c'est bâtard mec. Oh ça se fait pas du tout mec. Donc en plus tu récupères ton Metal Gear, tu dis oh cool, j'ai des pièces à mettre dessus pour qu'en plus à la fin il t'encule quoi. Moi j'ai tellement hâte que tu fasses le 1, ça va me rappeler tellement de bons souvenirs. J'ai vachement hâte de jouer au 1 aussi, vraiment ouais. Donc ça c'est les missions secondaires, on s'en fout un petit peu, on va faire les missions principales. Allez, Ground Zeroes, c'est parti. Sortez Paz, une cible stratégique, et Chico, un membre de Mother Base de la prison de la marine américaine. Et quittez la zone... Donc c'est la marine américaine quand même. C'est la Navy. Donc elle s'est fait choper par la Navy, cette... chouin nucléaire, ce radiateur... Comment chouin nucléaire. Oui, chouin nucléaire. Pour le thème, oui. Attends, à une époque où le monde était divisé entre Est et Ouest, The Boss, la mer... Oui, bon, ça, c'est d'accord. C'est hors du gouvernement américain, ouais, d'accord, mais je veux pas forcément... Oui, l'héritage des philosophes. Ouais, Big Boss. Après avoir tourné de dos à l'Amérique, Snake recruta les soldats avec Kazuhira Miller rencontrés dans une zone de conflit, son base aux Caraïbes. Ok. Entre-temps, Major Zero, qui avait jadis travaillé avec Snake à la construction de l'unité Fox, s'est servi de l'héritage des philosophes pour développer son service de renseignement Cypher. Ok. Cypher commença à étendre son réseau jusqu'au moindre recoin des États-Unis. D'accord. Eh ben c'est ça, d'accord. Sans armée, Zero désirait rejoindre son vieil ami Snake et lui envoyait Paz, un de ses agents, pour prendre contact. Paz tenta de s'emparer de prendre Metal Gear Zeke, un char de combat bipède armé de têtes nucléaires. Éjecté du cockpit de Zeke, Paz disparut dans les mers des Caraïbes. Ok, d'accord. Eh ben écoute. Finalement, on avait notre petit résumé, Hunter, mais c'est gentil au moins de nous l'avoir dit parce que c'était plus clair. Je préfère quand c'est Hunter qui raconte. Ouais, il raconte bien, je trouve. Attends, ça va gueuler un petit peu le jeu va gueuler un petit peu, je suis désolé. Voilà, ça devrait être un petit peu mieux. Voilà, comme ça devrait être impec. Written by Hideo Kojima. Shuyo Murata. Idena, le reste. Yoji Shinkawa qui est toujours là, j'adore leur tenue mec. Ça a l'air con hein, mais je trouve leur poncho il est incroyable. Et genre ça se voit pas trop dans Ground Zeroes et dans 5. Mais dans le 4 je trouve que ça se voit énormément ce qu'ils appellent le surréalisme militaire, tu sais. Mmh, bah carrément. Avec qui est mi-réaliste, mi-complètement ouf et tout, et je trouve que les designs des ennemis est toujours vraiment fou quoi. Dans le cas, je pense que c'est le Parom Sim, ça. Le Parox Simp. Et c'est la suite directe de Peace Walker, ouais, Hades. Complètement direct. Ouais, complètement direct. Enfin, du coup, comment dire. En comptant les missions optionnelles qu'on n'a pas faites. Ouais. C'est vraiment, à mon avis, ça va se passer genre quoi, quelques semaines après, quoi. Bah, donc, c'est ça, ouais. Oui, parce que attends. Ça se passe en quelle année déjà 74
74. Je crois. Ouais. Mais en plus, on a toujours la même mother base, on a toujours les mêmes trucs. Bah oui, ça se passait en 74. Du coup, MGS5 se situe en 75. Oui, du coup, c'est vraiment juste après, c'est dans la même année. Bah, c'est du ça. Du coup, MGS5, c'est en 84 et il reste 9 ans devant dans le coma. J'ai spoilé, mais je m'en bats les couilles. Tout le monde a vu le trailer, c'est bon. Ricardo Valenciano Libre, un jeune volontaire de l'armée privée de Snake. Oui, c'est un clodo. Hein. Le truc là, le jack dans le cœur, j'ai jamais compris et je trouve ça incroyablement dégueu. Je sais pas trop. Et donc ça c'est School Face. School Face. Tête d'école, comme on l'appelle. Vive les gros nichons. C'est une des premières chansons que j'ai appris au piano. Cette chanson, Nicolas Hanbart. C'est B. Je la trouve pas particulièrement jolie en plus. elle m'impressionne pas particulièrement cette chanson, je vais vous admettre. Salut Vito. Swear. Nicolas Hanbart. Putain, mais regarde comment il est beau ce con de jeu, mais c'est incroyable, mec. Ouais, du coup, il a 6 ans. 6 ans, mec. Il tourne sur tous les toasters de l'histoire. Je suis sûr que tu peux le faire tourner sur une Casio. Franchement, ouais, c'est comme Doom. Nicolas Hanbart. Il est plus beau que Skyrim. Oui, enfin Skyrim, il est sorti en 2011. Hein. Alors, c'est que 3 ans plus tard, certes, mais bon. Après, enfin, Skyrim était moche quand il est sorti. Oui, bien sûr. Sauvé par un pêcheur belizien alors qu'il est dérivé dans la mer des Caraïbes. Je suis sûr qu'il tourne sur ton PC, Marine. Il tourne sur absolument tout, c'est incroyable. Même sur un 3310, il tourne. Mais attends, Cypher, c'est pas encore nos... Non, Cypher, c'est pas des méchants, là. Si, parce que... Paz, elle essaie de se barrer avec le Metal Gear Zik. Mais je comprends pas trop. Le Major Zero, donc il s'est barré, il a fondé Cypher, on est d'accord. De son côté, il a envoyé Paz pour faire. Mais je sais pas, il dit espionne de Cypher. C'est Cypher qui nous a envoyé Paz, voilà. Et c'est exactement à quel jeu il joue. Ouais, si, quand même, ok. Si, c'est les enculés, d'accord, ok. Et du coup, à quel moment Major Zero, il flippe de gentil à bâtard? Je me souviens pas. C'est après le 3? Ça doit être pendant Peace Walker, non? C'est pendant Peace Walker, ouais. En fait, je pense que c'est quand il a récupéré l'héritage philosophe, en fait. Oui, c'est ça, ouais. C'est pas... Ah, pendant Portable Ops. Oh, ouais. Oh, les enculés. Is your triumph. Quand il chope l'ADN de Big Boss. Ah ouais. Les enfants terribles et tout. Oh. Ah, parce que même quand tu fais pas Portable Ops, en fait, tu loupes quand même pas mal de trucs, hein. Bah ouais. Cypher, c'est pas les enculés à la base, c'est juste que Major Zero, après le projet, les enfants terribles, Snake se barre et ça lui fait péter un câble et il devient misanthrope puissance 90 000. Mais les enfants terribles, ça se passe du coup après le 3, ouais. Bah, du coup, ouais. Oui, bah oui, je veux dire, mais entre le 3 et comment, Peace Walker? Oui, 74. Enfin, c'est au début, en fait, enfin, avant Peace Walker. Oh, c'est compliqué, mais. Elle est beau, hein, Black Ops. Elle est, ouais. Elle est trop bien, cette cinématique, mec. Et j'arrive pas à détester les lens flares à la JJ Abrams, tu vois. Bah ouais. Là-dedans, en tout cas. That would be Chico. He's being held in the same area as Paz. Last radio call. T'es 6-4. Oh non, pas 6-4, s'il te plaît. Un autre. Oh, non. Tu penses que dans le... Du coup, la... Merde.
l'armée américaine, maintenant, c'est interdit d'avoir un C4 comme... Tu crois? C'est censuré, genre. Je sais pas, ce serait pas impossible, en fait. Genre que ce soit... Enfin, pas forcément interdit, tu vois, mais que genre, ce soit considéré comme... Oui, un genre, en plus, c'est enfin, ils sont relativement, comment on dit, superstitieux. Bah ouais, tu vois. Donc ça m'étonnerait pas, hein. Genre, c'est comme dans les avions, t'as pas de rangée 13. Oui, oui, c'est ça, ouais. Tu vois. Même avec Paz, il est pas foncièrement méchant. Mais c'est bien ce qui me semblait en fait. Il envoie Paz uniquement pour faire un contact. Et je pense qu'il a dû se dire que. Écoute, ils ont un Metal Gear, pourquoi pas quoi. Ok, bon, on va foutre le bordel. Hein. J'espère que vous êtes au courant. Que je vais faire n'importe quoi. C'est le genre de jeu, de toute façon, que tu recommences en boucle, Ground Zeroes. Donc. Il est vraiment fait pour. Ouais. Ce full plan séquence, t'as vu ça sans un seul cut, mec? Là, il y avait un cut caché quand même. Paz est supposé surveiller, c'est juste que Paz a pété un câble solo. C'était pas sur ordre de Cypher, du coup, le vol de Zeke. Chut. J'adore sa voix, mec. Comment ça, l'âge? Culé. Oh la vache. Ils ont fait quand même un turbo boule. Mais Snake est fait exprès pour être sexy, mec. Hein. Genre Snake, Raiden et tout, ils sont tous faits pour avoir quand même un côté vachement sex appeal. Hein. Ouais. Dans, je trouve que dans MGS5, c'est là où c'est le plus. Ouais. Mais c'est un petit peu le délire... comment? The Witcher, en fait. Parce que Snake, ça a toujours été un beau gosse, tu vois. Mais il s'est vraiment, genre... il s'est bonifié, mais de façon abusée, en fait, au fur et à mesure, tu vois. Ouais. Et c'est comme Geralt, en fait, dans le premier, il est chum. Dans le 2, ça va mieux. Et dans le 3, c'est juste un putain de beau gosse incroyable, quoi. Alors que finalement, il est censé être moche. C'est censé être un mutant super bizarre, mais avec un charme de chat, tu vois. Mais moche. Ok. Alors, comment on joue déjà? Ok, d'accord. Comment on fait pour virer... Ça c'est pour recharger, d'accord. Ok, putain, je me souviens. Ça c'est pour tirer, très bien. Putain, ma manette elle continue à vibrer n'importe comment. Ça, je peux prendre. Ouais. Mais oui, en fait, elle panique avec ça. Comment on fait déjà pour se jeter sur le côté? Je me souviens plus. Oh putain, mec, c'est tellement con. Voilà, donc ça, je me souviens de ça. Ok. Carré pour sauter. Je vais réinstaller MGS5. J'aimerais bien faire une roulade. Non, ça c'était pour à plat ventre, d'accord. En plus, MGS5, il a tellement un côté opérateur de ouf, quoi. Ouais, carrément. Ouais. Carrément. Je vais peut-être pas sauter encore, alors. Ok, ça je peux. Ok, d'accord. Faut juste que je me remette les trucs dans la tête. Oula. Tu vas te calmer, ouais. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Qu'est-ce qui se passe, mec? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une connerie, non? J'ai l'impression. J'avais jamais vu ça. Mais moi non plus. J'ai trop roulé. J'ai gagné le patch XOF. Et B. Oh putain, ouais, en plus quand t'es sur le dos aussi là. Comment c'est trop stylé, mais ouais, regarde. Ouais, putain. Putain. Est-ce que je peux... Tu crois... Je pense que c'est couillu quand même. Bon, je vois, il a l'air con alors. Oh, j'adore, mec. Oh merde. Oh le con. Non, c'est pas ça que je t'ai demandé. Snake, snaquer. Je vois rien. C'est bon, il dort. Oh là là. Hop, ok. Ah vache, c'était cool. Le truc là, le fait de pouvoir plonger, tu vois, à l'avant, ouais. Je trouve que ça fait beaucoup Rambo en fait.
Ah ouais. Tu sais, où il court beaucoup, il est vachement mobile, Rambo. Ouais. Il court, il plonge, il fait le tour des ennemis en sprintant et tout. Et je trouve que ça, on le voit beaucoup dans le. John Rambo, le 4, du coup, je crois. Où tu sais, il va dans la jungle, il set up toute la jungle pour faire péter tous les. C'est quoi? C'est pas en Birmanie? Non. Au Myanmar, je crois que c'est le Myanmar. Et en gros, il court dans toute la jungle à poser des pièges et tout. Et je trouve que c'est ultra ultra stylé. Mais il me semblait qu'on pouvait sauter sur le côté même en visant, non? Alors, c'est peut-être que dans le 5? Je sais pas. J'adore en tout cas le déplacement dans celui-là. Je trouve vraiment vraiment ouf quoi. Enfin, tout est vraiment agréable. Le Myanmar, c'est la Birmanie. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça, il est là-dedans. Comment? Non, ouais, c'est toujours A pour ça. Ok. Hop. Tac, je vais juste passer un petit peu de temps pour me remémorer les touches. Attends, je vais le balancer. Merde, je me suis gouré. Ça, c'est pareil, hein. Tu sautes pas d'une tour comme ça. Déjà, tu sautes pas d'une tour comme ça. Et en plus, tu sautes pas d'une tour comme ça avec un gars de 80 kg sur tes épaules, hein. Sinon, il va se passer des trucs, hein. Ça, Michetonce ? J'ai un silencieux ou pas ? Comment je fais pour. Tu m'as dit que c'était comment pour virer la lampe torche, Hunter ? Oui, voilà, c'est ça. Lumière, non, silencieux, oui, voilà. Voilà, ça c'est bon. Ça c'est impeccable. Ça c'est ce qu'on veut, la cruauté. Voilà. J'adore. Voilà, comme ça, c'est comme ça qu'il se joue le jeu. J'adore, mec. Vas-y, sors. Ah, dommage. Et en plus, il crochait les trucs en moins de 5 secondes, mec. Il est incroyable, ce gars. Oh, je vois rien, je vois que son cul, je vois que son cul. Je vois que du boulard, voilà. Avoue que c'est trop classe, mec. Mais tout jeu, quoi. Je crois que c'est pas MGS1 que je vais installer, c'est Ground Zero. Mais ouais, en fait, c'est ce que je me dis. Je fais le turbo sucer le cul, en fait. Turbo sucer le cul, quoi. Je crois que je vais vraiment. Ah, il fait 70 gigas. Non. Non, c'est pas possible. Non, il en fait que dalle, mec. Ok. Attends, quoi? Ouais, je suis rap. Merde. On est bon? Ok. Bobo a un projet. Non, non, mais il est pas loin, normalement, Ground Zeroes. Non, c'est moi qui suis. Il fait même pas 3 gigas. Ouais, voilà. C'est déjà plus raisonnable. Hop! Non, mais oui, je crois que c'est vraiment le sucer jusqu'à ce qu'il ne reste une goutte de contenu, en fait. Franchement, je pense que ouais, ça vaut le coup vraiment d'essayer de faire toutes les missions, de trouver tous les petits délires et tout, parce qu'il y a vraiment énormément de trucs, quoi. Mais il est très dense. Il y a beaucoup de choses à faire, et c'est ce que je disais à Momo. Il y a eu pas mal de gens qui ont été déçus par MGS5. Alors, enfin. Ouais, chacun pense ce qu'il veut. Moi, j'ai pas été déçu par le jeu, j'ai été déçu que par sa fin, comme beaucoup de gens, je pense. Mais il y a beaucoup de gens qui étaient déçus, et je pense que c'est parce que ils ont vu Ground Zeroes. Ils se sont dit, dans MGS5, il va y avoir plein de zones comme ça, avec énormément de contenu, des trucs comme ça. Et finalement, on s'est retrouvé avec des putains de déserts littéraux, tu vois. Et finalement, ouais, je peux comprendre que ce soit quand même vachement, vachement décevant, quoi. Mais ouais, mais moi c'est pareil, je comprends que ça puisse décevoir. C'est pas ça qui m'a déçu dans le 5. C'est que, bah, comme tu l'as dit, c'est la fin. Bah ouais, ouais. La fin m'a déçu. Je sais même pas si elle m'a déçu pour la même raison que la plupart des gens, mais du coup on en reparlera plus tard. Ouais. Et il y a un autre truc qui m'a beaucoup déçu dans le 5, mais c'est un peu un spoil. Enfin, c'est un spoil sur Internet, en fait. C'est un spoil pour dire qu'il y a un truc qui manque, en fait. Ouais. Mais ouais. Bon. Mais ouais, de toute façon on en reparlera. Je suis désolé, il faut que je coupe les vibrations parce que ma manette elle est attardée. C'est con parce que ça joue beaucoup la vibration dans le jeu, mais je peux pas, c'est pas possible. Là, tu vas la fermer ta gueule, oui. Voilà. Par contre, est-ce qu'il va falloir que je relance le jeu? Certainement, non? Non, c'est bon. Voilà. Ok. J'ai jamais fini parce que je suis nul. Attends, t'as jamais fini Ground Zeroes? Il est pas long pourtant, hein. Ou t'as jamais fini MGS5? C'est le 5 encore, je peux comprendre. Ouais. Il est long. Il est long, ouais. Il est long. Oh. Surtout quand t'as un giga autiste comme moi qui veut absolument faire toutes les missions secondaires. Oh putain. Oui, je comprenais pas le délire de pouvoir refaire les missions secondaires à fond et tout, tu sais.
Ouais. Et quand j'ai vu qu'il fallait refaire la mission en Afghanistan, ou alors c'est pas vraiment du spoil, hein, vous inquiétez pas, mais où faut détruire les tanks. Ouais, ouais. Et faut se balader et tout. Eh mec, cette mission. Et j'ai pas hâte. Hein. Franchement, il y a certaines missions que j'ai vraiment pas hâte dans MGS5, quoi. Dont celle-là. Est-ce que tu peux te casser avec ta putain de lampe? Voilà, merci. Pire pète là. Hein. T'es vraiment un bâtard en vrai. T'es vraiment un bâtard dans la vie, non? Ha ha ha! Tu me verras pas, tu me verras pas! Je suis invisible! Et hop là! T'as vu ça? Mais ouais, c'était super stylé! Non, tu vas pas voir ce que c'est, je crois pas, non. Qui c'est qui va voir ce que c'est? Toi qui va voir ce que c'est, là? Tu veux voir ce que c'est? T'es sûr que tu veux venir voir ce que c'est? Moi, je t'encule, hein. Voilà. Alors, c'était quoi? Gros con. Il va me voir. Mais il est chiant, lui. Pourquoi il est chiant comme ça? Il était chiant avant, lui. T'as toujours été chiant, toi? Ouais, je me souviens pas que t'étais aussi relou. Je suis caché ou je suis pas caché? Écoute-moi bien, trou de balle. Merde. Attends. Et peut-être la lampe, non? Non, tu prends pas de hit, t'inquiète pas. Oh putain, je vais l'enculer. Oh putain, je vais t'enculer. Oh putain, je vais t'enculer. T'inquiète pas, sprint. Continue. Oh mon dieu. Reste par terre, ta mère. Je me casse. Oh c'est chaud l'infiltration. Non, y'a pas de contact. Vous inquiétez pas, il s'est rien passé, mec. Tiens, je vais aller sur toi là. Je vais être tranquille. Hop. Merde. Non. Il s'est mis contre le mur, on aurait dit OSS 117, mec. Chat. Oh. Hop là. Et voilà. J'ai jamais compris pourquoi on m'avait dit de faire MGS5 en non-létal. Parce que c'est cool de le faire en non-létal. D'ailleurs, la plupart du temps, les MGS, ils sont cool à faire en non-létal. Ouais. Qui c'est qui me voit, là? Je vois flou des fois. Non mais vous me voyez pas, c'est pas possible, je me suis caché, vous étiez même pas là, bande de cons. J'entends des petits bruits de pas. Qu'est-ce qu'ils font eux? Ah ouais, il me voit là. Ah ouais. Ah bah c'est parti. Prenez son flanc, t'inquiète, tu laisses mon flanc tranquille. Parce qu'en plus on a droit qu'à un seul dessert, je t'emmerde. Ok. Faut que j'ai libéré le Chico. T'inquiète pas, ils vont jamais me choper, je cours trop vite. Vous m'aurez jamais. Oh putain, y'a un mec là. Eh connard. Hop là. Merde, c'est RT qu'il faut faire. Tout va bien. Ça c'est de l'infiltration, ça, mec. Ta gueule, ta merde, toi. Hop là. Cours en zigzag, ils t'auront jamais. Vous allez pas me toucher, bande de merde. Oh non! Oh, j'ai failli faire une connerie. Comment on fait? C'est A? Comment on fait pour monter? Ok, c'est Y. Allez, venez vous la mettre. Franchement, je suis allongé, je risque rien, moi. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous attends, moi. Hein. Je suis indétectable. Ok. On va refaire le tour à la Rambo, mon gars. Hop là. L'ennemi est introuvable, ouais. Parce qu'il est tellement discret en plus, le gars. Espèce de gros que le but avec un seul qui court partout. Il y a une espèce de trou de balle en latex, on n'arrive vraiment pas à le trouver, je comprends pas. On fait notre maximum, hein, mais putain, qu'est-ce qu'il est bon. Comment on monte? Ok, Y. Très bien. Je reprends mes bases. Ça va être crucial de reprendre ces bases comme ça pour MGS 5 surtout. Parce que vraiment bien maîtriser les mouvements. C'est quoi Pitol? Attends, pourquoi le jeu devient fou des fois là? Si tu te prends une goutte de pluie dans l'œil. Ah, ça me pique. Elle est acide. Sinon t'as un bidon explosif sur la droite. Qu'est-ce qu'il y a comme moustique dans cette région? C'est incroyable. Ah
Ah mais ils vont le réveiller direct, non? Oui. Il y a un bidon explosif sur la droite. Bah ouais, hein. C'est triste, hein, mais... C'est fini d'arriver là, mais bon. Ah, ça leur a rien fait, en plus. Ah merde, c'est trop bon. Ah, mais c'était 4. J'en avais chopé que 3. Y'en a un, il s'est évanoui. Putain, à travers le cactus, mon gars. Recharge vite. Oh, j'ai reculé le cactus. Hop là. De toute façon, c'est ce que tu finis par faire dans le jeu, c'est de vider tout le monde. Donc quelque part, je prends de l'avance. Hop là. Et puis, Big Boss, c'est pas un super soldat pour rien. Oui, voilà, c'est ça, ouais. C'est quand même le meilleur soldat du monde. Et si ça, c'est pas évident maintenant. Je sais pas quoi faire pour vous le prouver, moi. Attendez, je vais l'enculer, là. C'est le meilleur soldat du monde, je crois. De quoi? C'est pour ça que c'est le meilleur soldat du monde, je pense, parce que c'est tellement un goal but. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu... Non mais relève-toi. Michel. Non mais j'ai pas réussi à faire ce que je voulais. Lève-toi. Tu peux lui mettre un coup de pied. Vas-y, lève-toi. Voilà. Je vais tester un truc. Faut marteler RT, je crois, pour l'enculer vraiment. Ouais, ouais. D'accord, on a juste vu la caméra bouger et ensuite il est mort. T'as, écoute-moi bien. Eh, hey, connard. Merde, j'arrive pas à le balancer. Attends. Je veux le balancer, je suis sadique. Non, mieux. Eh, Michelon. Mais vas-y. Attends. Doucement. Ouh. Eh, hey, t'es chiant, toi, hein. Attends, vas-y, lève-toi, là. Eh, hey, connard. Tu me gonfles. Lève-toi. Ah, la vache. Qu'est-ce que j'ai mal au crâne. Ok, viens là. Non, non. Mais t'es complètement con ou quoi? Ah bon. Bah. Le risque était calculé, mais putain, qu'est-ce que je suis mauvais au maths. Ok, ça va toi? Viens pote. Je me souvenais plus qu'il y avait de la bougie comme ça, mec. Il est éclaté en fait. Attends. Est-ce que je peux faire une petite manœuvre pour le pousser? Parce que je pense qu'il va bugger au bord en fait, vu qu'il y a un script pour. Non, tiens-moi. Putain, le sadique. Ok. Bon, et bah du coup, je suis là où il fallait aller. Impeccable. Alors, le meilleur soldat du monde, on te dit. Le meilleur. Y'a pas mieux. Eh, hey, Chico. Oh. Zuppi! Réveille-toi, Zuppi! Chico, it's me. C'est un tueur! C'est un peu comme dans Double Zéro, quand ils arrivent pas à choper les deux abrutis. Non? C'est ça, ouais. Ils sont bons! Ils sont bons! Indétectable, je vous dis! Oui, bah ça va venir, les gars, laissez-moi tranquille! Tu vois le pauvre Snake qui commence un petit peu à bader, tu vois. Et voilà. Donc ça, c'est la prise pour étrangler des gamins. Souvenez-vous. Elle est très importante. Je pense qu'elle peut aider voilà, à les mettre au lit pour la sieste et tout. Donc n'hésitez pas. Si vous venez de devenir papa. Voilà, si c'est prévu, c'est comme ça qu'on fait. Tu fais genre, tiens, on va faire un petit câlin. Et t'inquiète pas que ça va aller tranquille. Je préfère cette solution-là à la solution, le film Police. Avec merde, comment il s'appelle? Avec Joe Star. Il y a des gens qui ont vu Police avec Joe Star ou quoi? Je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu? Il est le film est insupportable. Il est génial, hein. C'est un film incroyable. Mais il est tellement dramatique que, enfin, il est beaucoup trop dur comme film. Et à un moment, tu vois, donc ça suit un commissariat, tu vois. Et j'ai l'impression que leur service justement, il est spécialisé dans les trucs familiaux et tout, tu vois. Et les viols, les mœurs, un genre de mœurs, tu vois. Et ouais. À un moment, il voit de l'autre côté de la rue, il voit une nana en train de secouer son bébé ou de faire un truc comme ça, tu vois. Et bref, je crois qu'il la ramène au commissariat et tout, et en gros, il l'interroge, et en gros, elle explique que pour que son gamin, il dorme plus vite, elle le branle.
Mon gars, enfin, c'est un des seuls films qu'on a maté avec les copains, si tu veux, il y a longtemps, hein, qu'on a maté avec les copains, on n'a pas rigolé beaucoup. On n'a pas fait beaucoup de blagues, il n'y avait pas trop de délire, tu vois. Ok, c'est qui part. Et en plus, cette meuf là, c'est la sœur d'Alexandra Lamy, celle qui joue dans Scène de ménage. Ah oui, oui. Je sais plus comment Lamy aussi. La Miri Corée, mais voilà, c'est cette meuf là et elle a une tête un peu dérangeante en plus. Un peu. Mais voilà quoi. Bon, bref, Chico, y'a pas le temps. Non, non, c'est pas. Bon. Le film est pas hyper fun. Ah non, vraiment du début à la fin, le film il est tragique. Et le pire, c'est que même Joey Star il joue bien quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Ah bah c'est cool, il écoute du Cattle Decapitation. Écoute Joule. L'ami de pain, c'est marrant. c'est un peu marrant. Parce qu'il se fait fouiller la rondelle avec à la scie sauteuse. Mec, c'est dégueulasse ce que tu racontes. C'est vrai que c'est pas très propre. Non, c'est pas très propre. Ouais, mais attends, on a du travail. Parce qu'il y avait pas qu'un seul POW, il y avait pas que Chico, et moi je suis désolé, je récupère tout le monde. Oh putain, c'était pas là. C'était pas là le petit chemin. Hayou. Oh merde. Oh non, t'es sérieux. T'es sérieux, mec. Oh, j'ai tellement pas de bol. C'est vrai que c'est la tuile, hein. Tiens, connard, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. Oh là là, mais mec, non, mais c'est vraiment tellement pas de chance. Toi, t'es mort. Oh, bah écoute, ta mère. Bon, toi, tu me gonfles. Voilà. Comme ça, c'est tranquille. Attends, j'ai récupéré leur fusil d'assaut. Oh, merde. Oh là là. Ça va? Et là, c'est bon? Situation normale, et bah. Et c'est connard. Oh. Bah alors, comment ça se passe? Parle. Bon allez, fini de déconner. J'adore les déplacements dans ce jeu, mec. Ça me bute, mec, à chaque fois, quoi. Et dire que, enfin, tout MGS5, si tu veux, en plus, c'est de rigoler avec ces trucs-là, en fait. C'est une espèce de gros sandbox juste pour kiffer avec ces mouvements-là, quoi. Qui êtes-vous? Je suis le Père Noël, nique ta mère. Je me rappelle dans les vidéos que t'avais fait pour Grand Zero Ruru, les autres prisonniers, tu les avais oubliés au bord de la falaise. Oui, je m'étais gouré de touches. Et faut surtout pas que je me gourre là aussi. Parce qu'en gros, tu les ramènes tous et il y a une touche, c'est pour rentrer avec Chico ou alors le laisser juste dans l'hélicoptère et s'occuper des autres. Ouais, ouais. Et le problème, c'est que je me gourre tout le temps. Et je sais jamais avec lequel je me gourre. C'est bien gaffe, t'as le prompt, hein, tu fais bien gaffe, tu attends un petit peu. Ouais, mais les prompts, ils sont pas clairs. C'est pas genre rentrer tout seul ou rentrer avec un copain, c'est genre deux petits symboles de merde. Je te dirais, parce que moi, de mes souvenirs, le prompt, il était assez clair pour moi. Ok, d'accord. Non, mais ça doit être moi qui suis un petit peu attardé, selon toi, apparemment. Oh, ouais, peut-être juste que le prompt, il est calibré sur mon cerveau débile. Hein. Ouais, c'est un peu facile, je trouve. Je sais pas si ça peut être ça, on s'en fout. Bonjour, monsieur. C'est carré pour foutre seulement les mecs. Ok, bon, on va voir. Après, je joue avec la manette de 360, donc... Vraiment un connard, hein. Hop là, allez. Allez, bonhomme. Putain, mais t'imagines, n'empêche le... L'athlétisme de Snake. Ouais. Son corps strength, sa force, même tout court, si tu veux, son endurance, il est immortel, quoi, les gars. Putain, il a genre quoi, 40 piges, je crois. Je crois, ouais. Je crois que c'est ça, ouais. Et en plus, c'est pareil, il devient de plus en plus baraque. Plus le temps passe, tu vois. Enfin, il est vraiment putain de stock, quoi, ça se voit de ouf. Ça se voit encore plus dans le 5 quand t'es genre torse nu et tout, qu'il est vraiment mais beaucoup trop baraque. Pour le coup, y a pas des mecs dans le second campement, je sais plus. Y a que là ou y a des cages, hein? Bah, il me semble, enfin, tu mets la puce à l'oreille, mais j'y ai joué beaucoup, mais il me semble qu'il y a que celui-là, hein. Et en gros, j'ai perdu ma save. Et je sais pas trop pourquoi. Pourtant, le cloud il existait déjà quand je l'ai fait, enfin en 2014, je crois. Et du coup, je sais pas trop pourquoi, mais j'avais fait toutes les missions et tout, j'avais les missions avec Raiden, etc, etc. Mais apparemment, bah, nique sa race, quoi. Oh, merde, c'est pas là la porte du tout, je suis en train de lire le chat. Il a 40 ans, tout pile.
D'accord. Pas du tout, ouais. Carré sur play, c'est X sur la magnifique Xbox. Ah, d'accord. T'es adorable, Hades, mec. T'es vraiment trop gentil, quoi. Okay. T'es trop gentil pour ce monde, j'ai l'impression, mec. Faut que je m'achète une autre manette de Xbox, de toute façon. Faut que j'achète la Duke. C'est vrai. Comme ça, je pourrais dire, faut que j'appuie sur bouton noir. Bouton noir et bouton blanc, mec. Mais j'ai fait une manette de One. Bah oui. Mais en vrai, elle est bien. Enfin, elle est vraiment cool. Ils ont vraiment amélioré les trucs par rapport à la 3.6 et c'est évident, quoi. Ouais. Mais déjà que la 3.6, je la trouve très bien. Mais, à part le D-pad. À part le D-pad, ouais. Mais le truc, c'est que la manette de One, elle coûte encore un peu la peau du cul, je crois. Bah oui, c'est 60 balles, quoi. C'est ça, ouais. Il reste je sais pas, avec la sexe, peut-être que ça va baisser, je sais pas. Je sais même pas si ils ont une nouvelle manette du coup pour la sexe ou. Je crois que c'est quasiment la même, hein. Oui, si, si, il avait annoncé une nouvelle manette, je me souviens. Ouais. C'est quasiment la même, je crois. C'est juste que visiblement, ils sont retournés au D-pad de merde, tu te souviens? Oui, putain, exact, oui, de ouf. De ouf. Allez, c'est T-Part. J'ai pas trop compris leur. Non, mais oui, mais. Je suis d'accord pour pas trop changer le design parce qu'il est déjà super bien. De la manette, il est cool et le truc asymétrique. D'ailleurs, faudrait qu'on en parle aussi de ça. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont vraiment gênés par les joysticks symétriques. Alors, moi, c'est pas les joysticks symétriques qui me gênent, c'est juste la manette de PlayStation de manière générale qui casse les couilles. D'accord. je crois que je suis trop habitué en fait à celle de 360. Et je sais pas, je trouve celle de PS3, PS4. PS4, je sais. Enfin, je trouve les dimensions bizarres en fait. Ah ouais? Ça s'adapte mal à ma main en fait. Alors pourtant j'ai des petites mains, du coup tu te dirais bah. Vu que les manettes de PlayStation sont plus petites que les manettes de 3.6. La manette de PS4 elle est quand même mastoc, mec, hein. Bah oui, mais bizarrement je la trouve trop petite en fait. Ou trop cool, je sais pas, mais il y a un truc qui me gêne dans sa prise en main en fait. Mais il y a un truc avec la manette de PS4 qui est vachement étrange, c'est que j'arrive pas à me dire si elle est encombrante ou si justement elle est super fine. Ben ouais, mais en fait, le truc, j'ai l'impression qu'elle est genre large, tu vois, mais en même temps courte. Enfin, comment dire. Ouais, ouais, non, mais je crois que je vois ce que tu veux dire, ouais. Tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ah, je me marre bien, écoute, que veux-tu Ah, t'as suivi les serpents, attention, les petits otages. Et Snake, tu nous retires pas nos sacs? Non, je te préfère comme ça. Vous pensez que la manette est petite car c'est des japs? Ah oui, certainement, par contre, ouais. C'est possible. Attends, tu sais quoi? Attends. Je vais charger les autres avant Chico, comme ça je suis sûr de pas me gourer. Tiens, normalement, le prompt il est clair. Eh ben, je trouve pas, moi. Tu vois ce que je veux dire? En plus, tout à l'heure, Hunter, il a dit carré. Oui, non, mais c'est B, du coup. Donc B, tu mets quelque chose dedans, et Y, tu rentres dedans vraiment, quoi. C'est ça. Tu crois? Ouais, si, c'est bon. Oh, petit stress. Ok. Allez, on rentre dedans. M'en compte. On rentre dedans, j'ai dit. Voilà. Je suis des diamants de merde. Tu vas rentrer dans la mégane. Tu mets dans ton siège, tu mets ta ceinture, enfin ta gueule. Ça me rappelle les Lascar avec Oui. Tu sais qu'il y a un gros tuning boy du Nord, tu sais. Ouais. Oh, t'as vu que ta gueule. Le mec, il me tue à chaque fois, tu sais. Tu te casques sans Chico, franchement j'aurais dû. Et de toute façon on va juste laisser Chico et on va pas aller avec lui. Parce qu'on a une autre mission du coup. Bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de sortir la hydroïde pour écouter où elle est? J'ai pas l'impression, hein. Eh oui, on ne croit pas. Parce que oui, vu que je connais le jeu par cœur et que c'est juste une introduction au 5, une très très bonne introduction au 5, c'est pas vraiment vraiment nécessaire. Ah bah quand même, ok. Et bah c'est pas grave. Et je crois qu'il y a eu un surge de vente du Walkman original.
qui est extrêmement cher hein, d'ailleurs. C'est. Oui, c'est, bah, c'est tous les trucs rétro comme ça. Mais... ouais, le prix du rétro, la peau du cul. Lève-toi, connard. Ah, vous levez tous les deux? Eh ben, ça fait deux tartines. Allez. Oh mon gueux, petit déjeuner. Qu'est-ce que. Ah, bah, ils sont de tous les deux KO. Bon, bah, impeccable. Si je veux te taper un connard avec un autre connard. Ouais. Est-ce que le docteur va avoir besoin d'étrangler une pute? Ah oui, non, j'ai en train de regarder le ciel parce que j'entendais des bruits d'hélico, mais c'est parce que c'est l'enregistrement du coup. Attends, je vais attendre que l'enregistrement passe parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui a la chiasse dans les chiottes là. Et Johnny? Mais je crois qu'on l'entend ici en fait. D'ailleurs, il n'y avait pas de. Si, il y avait un Johnny aussi dans. Peace Walker à un moment, non? Je sais plus. Je crois qu'on entendait un mec chier à un moment. Ouais, justement, il me semblait que c'était un des seuls où il n'y en avait pas. Ah ouais? Ouais, peut-être que je confonds, hein, parce que j'avais fait une autre référence à quelque chose, je sais pas, il me semblait. J'adore ce jeu. Allez, c'est bon là, on s'en fout du truc. Oh putain, les cassettes dans le 5, j'avais oublié. Oh, on va avoir 18 heures de cassettes à écouter, poteau. Oui. Mais de toute façon, je pense que le 5, j'en ferai beaucoup hors stream. Genre les side-ups, pareil et tout, ouais. Je pense que je ferai hors stream parce que. Non, y a personne dedans? Il me semblait qu'il y avait quelqu'un. Les burgers de Miller, non mais mec, c'était incroyable ça. Genre, j'ai jamais vraiment compris ce que c'était le délire, hein, mais j'adorais. C'est fort. Ouais, j'ai vraiment la dalle aussi, je vais t'avouer que là. Ah! Oh! Chant! Hop là! J'adore, mec! C'est beaucoup trop stylé. Y'a plus personne dans ce camp là? T'as buté tout le monde. Mais je crois en fait. Il me semblait qu'il y avait plus de monde à la base quand même. Mais il y avait pas. Non, c'est plus tard du coup que je chope le sniper et tout. Il me semble. Non, ça doit être dans le coin, je crois. Attention. Hop, petite caisse. Je crois que je peux choper un sniper sur eux là. Ouh, il y a un mec là-bas. Il se lance? C'est pas oh. En plus, il fait les petits dérapages quand il sprint, tu sais, avec ça m'éclate. Ouais. Non, il a pas sniper lui. Compatibilité. Ah, munitions trank, pas mal ça. Attention, infiltration. Merde. Voilà. Non, il est ici, je crois. Je crois qu'il est ici, le sniper. Non. Comment je let go? B, je crois. Let go ta mère. Non, je crois que c'est A. J'ai appuyé sur tous les boutons, donc on verra bien. On verra plus tard. Jeu beau pour 2015, pour 2014 en plus. Et ouais, il est encore. Oh merde. Ha. Attention. Je tremble, putain, sa mère. Zwip. Culé. Zwip. La pute. Zwip. Oh, tu me gonfles, hein. Bon, écoute, je vais te cribler, mon gars, je te promets que ça va piquer. Voilà. Gros con. T'as intérêt à dormir sinon je te tabasse quand j'arrive, hein, franchement j'hésiterai pas. Hein. Je crois que le sniper il est par là-bas. T'as encore un mec là. Mais non. Il est où mon sniper? Non, c'est moi qui suis fou, Momo. C'est toi qui es fou. Hein. Non, c'est un fusil de chasse. Bon, c'est quasiment comme un sniper mais de super près. Hein. Voilà, impeccable, j'ai un fusil de chasse pour l'infiltration, ça va être cool. Ok, allons visiter un. Attention. Snook. Voilà. Ouh, je le retirerai pas ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui jouent sans le ralenti là. Ouais. Mais moi je joue avec. Bah il est là, c'est pour une raison. Bah voilà, parce que bah, en plus, voilà, comme on fait un peu ce qu'on veut aussi. Et puis il est pratique. Donc ouais, je jouerai avec, ouais. 4 fromages, crème et fermière. Pizza à la fermière. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est où que je suis perplexe? Ouais, je suis perplexe aussi. Ok, attends, je voulais aller voir un truc là-bas du coup, moi. Je me souviens plus ce qu'il y a de ce côté du camp là. Y'a un mec toujours là-bas? Faut aller lui péter la gueule. C'est vraiment juste un sociopathe en mode le gueule, c'est. Hey, y'a encore un mec là-dedans en fait. Mais c'est quoi ce camp là?
Putain, je me souvenais même plus de ce coin-là du camp. Mais on y va jamais en fait, non? Bah... Comment ça se fait qu'on se souvienne pas? Pourtant, on l'a bien torché quand même, le bordel, hein. Hop là. Après, c'était il y a 6 ans, hein. Ouais, peut-être, ouais. Mais bon, en général, on oublie difficilement. Tiens, connard. Pour interroger un ennemi, dit-il en le balançant de l'échelle. Comment c'est déjà Qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est pas ça. Ah, voilà, RB, ok. Parce qu'il y a ça aussi. Le... J'allais dire le Soliton Radar, mais non, pas du tout. Du coup, c'est un peu plus tard, quand même. Là. Ok. C'est important, ça aussi, mine de rien. Merde, ils sont en train de réveiller leurs potes. T'es sérieux? Ah, putain, ils ont tué. Franchement, non, mais c'est bon, il est tranquille. Bon, tant pis. C'est le dormir, monsieur. Il est une confusion. Oh, pardon. Oh, je suis désolé, mec. Franchement, c'est... je voulais vraiment pas. Ah, merde, oui, d'accord, c'est pour sortir. Ah, pour le coup, c'était vraiment pas fait exprès et des deux talons sur le plexus, quoi. Vraiment, je suis vraiment désolé, mec. Ouh. Eh bah, écoute, j'ai récupéré encore un silencieux, du coup. Mmh. Attends. Voilà. Pas de lumière, impeccable. Je vais pouvoir me re-infiltrer. Oui, 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 mais la mission, elle attendra la mission, hein. La mission passe après les agents, comme on dit, hein. On le dit. Ok. Ah putain, ouais! Y'a des mecs, en fait! Ah merde! Oh le con! Putain, t'avais raison, Hunter! Ouais, ouais, t'avais raison. Attends, y a un autre hélipad, attends. Ouais, arrêtez, y'a pas d'ennemi, de toute façon, y a aucun problème. Je sais pas s'il y a un autre... Ouais, ok, y a un autre hélipad qui est juste derrière, là. Mais comment on y va ici? Putain, je me souviens... Merde. Je me souviens plus du tout, mec. Mais me parle pas, t'es un otage, t'es pas intéressant pour autant. Vous commencez à me prendre pour un con, mec. Ah oui, non, oui, on est au niveau de là où je suis rentré, en fait, ok. La falaise, ouais, ok, ok, ouais, ça marche. Et du coup, y'a que lui ou y'en a d'autres? Putain, mais mec, je me souvenais vraiment pas, quoi. Ok, c'est juste là, très bien. Et bah écoute, tu vas attendre ici un petit peu sous la pluie, de toute façon, au pont où t'en es, poteau. Ah, mais il est là, en fait, le sniper, je suis complètement con. Ok. On a un mort. Oh bah non, quand même. Qui voudrait? Sérieux? Oh bah. Ah, attends, comment on fait? Ok, comme ça. Et le zoom comme ça. Ok. Je sais plus s'il y a du boulet de drop. Attends, voyons voir. Ah putain, il se les prise en pleine gueule, mon gars. Est-ce qu'ils l'ont tous entendu, tu penses? On voit juste tes couilles, ça n'a pas empêché de t'en mettre une. Lève-toi. Oh l'enculé, il m'a couvert. Tiens, gros bâtard. Oh, y'a du boulet de drop. Y'a du boulet de drop et surtout les balles sont assez lentes à ce que je me souviens. Ta gueule. T'as rien vu, t'as vu que dalle, mec. Menteur, je dirais menteur. Putain, recharge vite ta mère par contre. Hop. Il est super mal, putain. Il m'a ken. Et franchement, vous devriez venir l'aider, franchement, les gars. Eh, c'est super inhumain ce que vous faites. Attends, putain, ça va être giga inhumain, mec. Attends. Mais putain, ça va faire sur la Ryan, là. T'es ouf. Eh. Attention, ça va chier, mon gars. Eh, gros con. Attention, j'ai un otage et j'hésiterai pas à faire feu. Je vais faire une connerie. Tiens, ta gueule. Tu t'endors. Aou. Ah ouais. Oh, putain, venez, je vais vous choper. Venez là. Bah. Qu'est-ce que j'ai fait?
Oula. J'ai... Ouais, y'a eu un truc qui est pas passé, mec. Viens là, toi. Oh, le malade mental. Le vrai gros malade mental. J'ai sécucé l'oxygène pour faire s'étouffer tout le monde. Ils sont où, mes cadavres? Ok. Bouge pas. Putain, mais il bouge trop, vas-y, je vis super mal à la manette en plus. Ouais, fouille le secteur, franchement, fouille le secteur, je serais toi, je fouillerais le secteur de ouf. T'as rien vu. Ok, t'as peut-être vu quelque chose. Oh, t'as eu beaucoup de bol. Attends, je vais venir te choper, moi. Monte. Eh, t'as intérêt à monter vite, poteau, parce que... Ouf. Ok, je vois, le délire. Tiens, connard. Bouge pas, tiens, bouge plus. Qui c'est qui cherche la merde? Oh putain, il commence à en avoir beaucoup en fait. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une des façons de remplir cette mission. Ouh putain, il s'est pris un headshot lui. Mec, mais même comme ça, genre. Les autres, je dirais qu'ils sont. Enfin, t'es vachement malléable dans tes approches, tu vois. Ouais. Mais il est tellement fun à faire de façon bourrine aussi celui-là, quoi. Vraiment. Ouais. Déjà c'est un jeu qui est très fun de base, je trouve. Mais en plus, même à faire bourrin, c'est super drôle, quoi. Oui, bisous, Marianu. Bisous, bonne soirée, mec. Ah oui, c'est vrai, attends, faut que je fasse péter les trucs au C4, moi. Il est où, C4? Parce que sinon, ils vont abattre les hélicos. Ce serait con avec les otages dedans. Tu l'auteras. C'est vrai que c'est pas de bol. Ah, c'est pas de bol. Ah, C4. Pekeb. J'entends des coups de feu. Ils sont quand même pas en train de tirer des coups de feu quand même, cette bande de fous là. Alors attends, comment on fait déjà? C'est pas ça. Je me souvenais même plus qu'on avait des lunettes à vision nocturne, putain. Je suis jamais servi, je crois. Mais moi non plus, mais vraiment moi non plus, quoi. Hé, le C4. Comment on fait déjà pour l'utiliser? Je suis appuyé sur la touche, sur viser, je crois. Ouais, c'est ça. Non, il fallait viser, mais c'est l'autre touche, c'est Y. Voilà, donc du coup j'ai viré ça, je crois qu'il y en a qu'un seul. Et faut que je vois s'il n'y a pas d'autres otages dans le coin là. Parce que du coup je me souvenais même plus qu'il y en avait. Bah ouais. Wouh! Y a-t-il quelqu'un par ici? Et les otages? Hunter, il y en a plusieurs ou il y en avait qu'un seul? Toi tu te souviens bien toi. Eh, au pire faites-vous connaître. Chantez un truc de connu des années 80. Femme des années 80 et femme jusqu'au bout des seins. Et ayant réussi l'amalgame, il y a 3 ou 4 anti-aériens, d'accord. Mais j'ai l'impression qu'il y a qu'un seul mec, hein. Je vois personne d'autre, à moins qu'il y ait d'autres camps alors. C'est le seul POW ici. Ok. Et ça se trouve, bah ouais, il y a d'autres camps en fait. Attends, je vais aller voir par là-bas. Le bruit que je fais quand je sprint avec un lance-roquette dans le dos, mec. Bisous, Sophie. Oui, bisous, Sophie, mec. Merci d'être passé, poteau. Ah putain, à chaque fois, non, c'est pour me casser ici. J'ai pas envie de me casser. Pourquoi y'a un mec qui court là-bas, là? Je vais l'enculer. Je vais le sprinter dessus sur 700 mètres, mec. Viens là, toi. Vraiment, le Big Boss, c'est vraiment l'apex prédateur. Il voit un truc qui bouge là-bas à 500 mètres. Un sprint jusque là-bas juste pour lui péter la gueule. Tu sais, c'est pas de panthère dans Apocalypto, tu sais. Ouais. Non, mais vas-y. Voilà, dis donc. T'es vivant? Voilà. Ça c'est fait. Et on peut plus les fouiller, les gars. Oui, c'est vrai que tu oublieras pas d'aller extraire de l'autre, du coup. Mais oui, mais attends, j'attends d'être sûr qu'il y ait pas d'autres POW en fait. Ouais, mais du coup, faudra pas l'oublier. Oui, mais ça, en fait, je vais limite essayer de ramener Paz jusqu'à là-bas, hein. Oui, ok. Sans, y a plus de garde. Donc, à la limite, je suis tranquille, hein. Tout le monde est claqué, donc bon. Oui, ouais, c'est ça, ils vont pas m'emmerder longtemps, hein. Oh. Là, c'est les seuls sur la map. Apparemment, c'est les seuls sur la map, tout le monde est là. Il y a juste un gars, du coup, dans un camp tout seul. Et toutes les cages, quoi. C'est ça que t'es en train de m'expliquer. Et qu'est-ce qu'ils vont là tout seul, l'autre? Bah oui, ils l'ont oublié, l'autre. S'il vous plaît. Tu vas pas me dire qu'il y avait pas assez de place dans les cages? Bah oui, c'est ça. Bon, en plus, il y a des cages vides. Bah oui. Donc, je sais pas. Ça sert à quoi, cette zone?
Mais je sais pas non plus. Je sais pas pourquoi on est censé pouvoir rentrer là-dedans. Je sais pas. Ah. J'adore. En plus, c'est vraiment ça. Genre, il est limite habillé en panthère, tu sais. Et il sprint tout le temps pour aller taper des gars. Enfin, c'est vraiment le prédateur, quoi. Bah ouais. Les patchs sont chiants à choper. Bah ouais, mais ça, c'est pareil. Je m'en souvenais même plus, mec. Le coup des patchs, si, ouais, je m'en souvenais. Chut, y'a pas eu de contact. Chut. T'as une arme là-bas. Oh, y'en a deux. Le mec, il doit voir juste un gros lance-roquette dépasser de l'espèce de trottoir là. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un autre. Du coup, il y a un autre anti-aérien là. Mm-hmm. Non, c'est pas ça que je voulais. Elle sert vraiment à rien en plus, la vision nocturne. Merde. Bon, bah écoute, je suis désolé, poteau. Je peux pas te le balancer à la gueule. Oh merde. Oh là, mon gars, t'as intérêt à courir, je recharge. C'est vraiment pas du tout ce que je voulais lui faire, mec. Ok. T'as oublié d'en interroger un. D'interroger un quoi? Là pour l'instant, enfin, si tu veux les interroger, tu vas pas avoir beaucoup de réponses. Hein. Ouais, ouais, mais j'interroge. Mais c'est pas trop mon style en plus. Je vais vous admettre. Tiens, connard. Oh la vache. Oh bon Dieu de bon Dieu. Show yourself! Come in, motherfucker! Wow. Attention, je vais éteindre les. Oh bah merde! Il a niqué l'électricité, ce con! Oh putain! Oh la vache, mec, les shotguns, ils sont vraiment ouf en plus! Bah on garde, sinon t'as pas la suite de la mission! Et pourquoi faire? Je sais où est la suite de la mission, mec! C'est bon? T'es KO ou pas? T'es KO. Ouvre putain. Loupé. Ah, loupé. Je crois en zigzag. Toc 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 toc. Ça aussi c'est un truc qui me fait énormément rire dans le jeu. Quand tu bourrines un mec, le gars en face il est vraiment genre interloqué de ouf. Enfin il se prend pain pain coup de pied, pain coup dans les couilles. Enfin vraiment ouais, incroyable ouais. Quoi. Hop là. Y'a quoi ici déjà? C'est un autre gun. Vraiment psychopathe mais... tiens, y'a un gun pas létal. Je prends. Je préfère. Non, on va reprendre ça. Et du coup, ça c'est une espèce de petit... de semi-colt. Salut. Semi-colt. Ouais, genre on dirait un genre de... Tu sais, une contrefaçon russe là, du colt. Ça ressemble de loin à un 911, mais pas tout à fait en fait. Ok, ah, je me suis fait super mal. Ok. Je vous promets, à un moment, on fera Ground Zeroes en discret. Mais ce moment n'est pas arrivé, mec. Ok. Non. Ça, c'était un fumble, c'est pas grave. Ah ! J'espère qu'il y a personne dans les couloirs parce que je vais vous péter la gueule. Dit-il en sprintant avec son lance-roquette sur le dos, c'est... What the fuck? Bah ouais, oh mon gars, oh ça arrive! Y'en a un deuxième ou pas? T'es mort? Ah t'es mort. Oh! Ah ouais! En train de se branler dans le coin toi! Hop là! Allez hop, nique ta race! Oh la vache! Oh mec! John Wick. C'est incroyable, c'est vraiment le jeu, il est vraiment incroyable, mec. Tu m'étonnes que c'est trop dangereux d'extraire la cible, mon gars. C'est trop dangereux d'être sur l'île, poteau. Ah ouais, non, là pour le coup, c'était vraiment le true John Wick moment, quoi. Y'a personne, hein, franchement. Ouais, l'ennemi est introuvable. Ah bah, je trouve aussi. Je trouve, ah justement, je trouve pas. Oui. Elle marche que si t'es. Si tu comprends le contexte. Je suis obligé de garder le lance-roquette sur le dos, je peux changer. Genre. T'es sérieux toi? Ah bah oui, mais t'as vraiment mal choisi ton coin, mec.
Parle. Merde, attends. Spit it out. Ils ont sorti de la cage dans l'ancienne prison. Oui. Ça, pour l'instant, j'étais un peu au courant. Non, je vais pas te tuer. Pouh, mon dieu. Lui, je le tue pas parce qu'il m'a demandé. Les autres, ils m'ont pas demandé de pas les tuer. Hein. C'est vrai. Lui, il m'a dit, il me tue pas. Bah, je le tue pas. Je suis pas le mauvais gars. Hein. C'est vraiment les discours de sociopathes. Non, vraiment, le gars, c'est Jeffrey Dahmer, quoi. Et Paz. Paz. Oh. Putain, mais les codes, cette pute. Il conspire. Un agent double, on ignore à qui va sa loyauté. Même jusqu'à Grand Zeroes, on sait pas où elle est. Hein. C'est à ce niveau-là, quoi. Et pour le coup, elle a quand même l'air vachement... Je sais pas si c'est les cheveux ou les yeux au beurre noir. Mais elle fait vachement plus vieille que dans Peace Walker, quand même. Ouais. Et peut-être que du coup, c'est un peu moins gênant de la voir se faire torturer que si c'était vraiment une gamine avec ses petits cheveux, tu vois. Peut-être, ouais. Ça gêne moins, quoi. Celui qui dit ça, Chico, tout le monde s'en branle. Le gars, il a un trou. Les enfants soldats, bon. Ouais, voilà, c'est ça. Attends, je me roule une petite clope, les gars. Et je suis à vous, pendant qu'on regarde littéralement Paz. Toi, un gros tarpé. Un énorme ouinge. Les mandales, ça donne un coup de vieux direct. Bah, elle a maturé très vite. Hein. Elle est mature pour son âge, je te promets. Hein. Hop là. Sa bombe dans la tchouche. Paz, elles vont bien tes bombes dans la tâche. La pauvre. Genre, elle a fait plein de trucs. C'est un petit peu comme... Le gars qui a fait son propre bar, vissé, ça, collé, ouais. Cloué, mais t'encules une chèvre une fois. Il y a un film ce soir. Eh bah écoute, pas de nous, non. A priori. Ouais. Peut-être que... Attends, je crois que j'entends un mec, attends. Je crois que j'ai entendu un mec venir foutre la merde. Il y a ton instant de prédateur qui a pris dessus. J'ai une oreille qui a Twitch, tu sais. Qui c'est qui fait chier? Ah mais tu t'es réveillé toi. Attention connard. Pouh mon dieu. Freeze. Mais c'est pas celui qui t'avait demandé de pas le tuer? Si ouais. Toi tu cherches définitivement... Écoute connard, toi tu cherches vraiment définitivement la merde. J'ai aucun remords, j'en ai vu un. Je suis quasiment certain d'en avoir vu un mec. Non? Je crois que je m'imagine des gens maintenant en fait. Je vois des gens qui sont là. Oui, je vois des terroristes. C'est l'US Navy, tu sais. Enfin, oui. Quelque part, c'est plus ou moins des terroristes à grande échelle. Hein. Non, ou alors il a réussi à rentrer? Non, je crois que t'es taré. Eh, je suis sûr d'avoir vu un côté de Pancho, pourtant. Hein. Comment? Fumez pas. Tu contestes? Avec le S1000. Eh, Paz. Gnignigni. C'est pour être sûr qu'elle entende pas quand je parle de la défoncer, mec. Ok, prends le gun et on y va. J'espère qu'il va y avoir vraiment personne devant moi parce que je suis vraiment vénère, là. Contact. À une heure. Mais je suis en souterrain, comment tu fais, espèce de con? Ah, salut, vous. Revenez, bande de pédés. Bon, bah, écoute, je me casse. La pauvre, elle est en train de se manger les coups de coude dans la gueule parce que je suis en train de sprinter, mec. Allez, c'est type. Comment ça, arrête? Je vais pas arrêter maintenant, quand on colle. Ah oui. Il y a un... T'as pas fait péter tous tes trucs entiers, là. Non, et puis il y a un VTB aussi. Oui, ça va. Attends, bon. Elle. Tu vas aller là, tac, dans le cofio. On se casse. Et c'est hyper. Comment on fait déjà pour conduire? C'est RT? Ouais, c'est RT. Ouais. Ah mais c'est chaud, il va falloir passer par le VTB quand même. Ouais, je trace. Eh bah écoute, on va prier, hein. Pourquoi ils tombent tous à la gauche? Peut-être un problème avec ta manette. T'as rien vu. Ah ah. Oh la vache. T'as intérêt à t'accrocher, copine, parce que je te promets que ça va être sportif. Pourquoi il tourne tout seul à gauche? Il est complètement con ou quoi? Ça fait pas tout le temps en plus.
Attends, petite marche arrière. Y'a pas d'autres périphériques qui vont plus se repousser. Comment? Y'a pas d'autres périphériques qui vont plus se repousser. Non. C'est peut-être la souris, peut-être que j'étais en train de... Merde, c'était pas le bouton start. Attends, passe, bouge pas. Je sors. Je vais péter la gueule à des mecs et j'arrive. Tiens, connard. Oublie pas l'autre soldat, t'inquiète pas. T'inquiète pas, je l'ai déjà oublié. Il est génial ce gun là. Ouh putain, par contre, ouais, y'a des copains qui arrivent. T'inquiète pas, mon gars, vas-y, je recharge et je t'encule. T'inquiète pas, attrape ça. En plus, j'aime bien parce que les roquettes sont vraiment rapides, c'est pas des roquettes de jeux vidéo, tu sais. C'est bon? Pas bon? Ouais, c'est ça. Fonce les mains en l'air sur un gars qui vient d'enculer un APC, ouais. Oh putain, mec. Ça va? J'ai l'impression que tout... T'as vu? Ça va aller moins bien. Tout le monde s'est fait enculer par l'APC qui a explosé, et théoriquement, c'était pas moi. Hein. Ça va, passe. Pas top, hein. Bon, bah écoute. Voilà. Tac, et tu sais quoi? On va aller chercher l'autre mec et on va le ramener jusqu'ici. Parce que ça c'est tactique, mec. Mais j'ai pas un autre truc à faire aussi? Oui, ouais. Bah, au pire, ici, je m'en fous, non? Ah non, quoique, non, je crois que c'est un autre... Attends. Merde, à chaque fois. Extraire pas. Non, c'est juste extraire pas. Je peux défoncer les autres trucs anti-aériens. Mais c'est pas... Ah, à la limite, 2-3 trous dans la carlingue, est-ce que ça va vraiment nous faire si mal que ça, tu vois? Ok, bon allez, j'y vais en bagnole. C'est long à pied, mec, c'est bon. Tac, allez, c'est type. Si on a inventé le bagnole, c'est pas pour rien. Mais... Bah, c'est ce que je me dis. Franchement, Oui, j'y vais, ça va, je fais un petit tour. Moi, quand je vais sortir mes poubelles, je prends la bagnole. Ah bah, mec, quitte à faire. Walkman, est-ce que j'ai des chansons ou pas là? Mother Base Music Selection. Oh, c'est pas mal ça. Allez, Zidi. Le gros con. Elle est où déjà l'entrée? Je suis plus fou cette heure, hein. Attends, c'est la PC, on va pas passer par là. Mais il y en a un deuxième. Ouais, il y en a un deuxième, je crois. C'est nul. Je sais plus où elle est l'entrée, c'est par là-bas? Oui, c'est par là-bas. C'est vraiment un gros cake dans celui-là, Snake, c'est en train d'écouter la chevauchée des Valkyries pour rien. Et j'ai l'impression qu'en fait, j'ai du drifting dans mon joystick, en fait. Il va un peu à gauche tout seul. Ouais. Putain, c'est chiant, non? Attends. Je vais changer de manette. Bouge pas. Attends, ça c'est la 3-6. Ça c'est la One, je crois. Ouais, voilà. Ça c'est une One officielle. Juste le bouton RB qui déconne un petit peu. Mais RB au pire, ça sert juste pour la jumelle. Donc limite, on s'en fout, tu vois. On va voir si ça va être plus facile. Et puis je vais pouvoir remettre les vibrations du coup qui déconnent pas avec celui-là. Tiens, regarde, hop, vibration. Tac. Impeccable. La souris permet de tourner. Tu crois que c'est ça? Mais ça m'étonnerait que ce soit ça. Est-ce que c'est bon? Je viens tellement de rouler sur un mec. J'ai l'impression que c'est un peu mieux. Attends, parce que faut que je coupe par contre Wagner, parce que c'est marrant au début, mais... Mais quoi comme autre chanson? Heaven's Divide, Love Deterrent, Peace Walker Team. Ouais, ça m'intéresse pas. Hop, on se casse. Écoute, toi là, c'est ton jour de chance, j'ai pas eu la flemme de venir avec ma bagnole. Donc t'as pas intérêt de déconner. Est-ce qu'il y a encore les guns que j'ai laissés ici ou pas? Non? Ça, y a ça là. Un marrant comme gun ça. Bonjour. Love Deterrence, c'est la Zig pendant le fight avec Paz. Oui. Et Zach. Tac, lui je le fous dans la bagnole, on se casse et on se casse. Hop. Non mais jette-le au pire, pas non plus... Merde. Il doit rien comprendre. Attends. Voilà. Voilà.
L'idée que c'est vraiment un psychopathe, ça me fait énormément rire, mec. C'est un trope qui me fait vraiment, vraiment rire. Tac. Et de toute façon, je pense qu'on va le faire une fois là, du coup, Ground Zeroes. Et qu'au prochain stream, on va le refaire une fois avant d'attaquer MGS5. Ouais. Est-ce que ce serait pas trop con de faire ça? Histoire de montrer plus de trucs la prochaine fois, comme ça on pourra faire la mission un peu plus sérieusement, un peu plus rapidement. Là on perd un peu de temps parce que ouais, on fait le con, mais il est vraiment putain de génial ce jeu, c'est vraiment ouf quoi. Kaz, I'm already a demon. Ouais, là je pour le coup, ah bah non du coup, ouais, oui, pas encore. Du coup pas encore, ouais, un peu vite en besogne. Oh, en plus on va voir tous les vêtements de ouf qu'il a dans le 5, mec. Il a vraiment un flow incroyable, si tu veux. Oui, voilà. Et du coup, là, la zone d'atterrissage, elle était en danger faible. Ici. Parce qu'il n'y a pas voilà. Celles-là, elles sont en danger élevé parce qu'il y a les AA. Et là, c'est en danger faible. Et c'est dans une autre mission où il faut éclater les tourelles. Parce que justement, ouais, t'es obligé de te casser par les trucs qui sont dangereux, en fait. Ouais. Donc là, ça va. Là, ça va. En plus, tu vois tous les guns sur lui, genre tu fais le mec vraiment habillé comme un terroriste, quoi. Après, théoriquement, Spider, il devrait faire Survive avant Phantom Pain. Enfin, en même temps, en fait. Ouais. Il devrait le faire en même temps. Bah, limite, on peut le faire, hein. Genre, là, il pourra commencer, s'il veut, au prochain stream, au prochain son stream, Survive, quoi. Tant pis pour lui. Salut, Funeral. Comment qu'il va? Je vais avoir un ranking incroyable, je pense, sur celui-là, mec. J'ai déclenché des milliards d'alertes. Regarde les cuisses qu'il a, mec. Genre, regarde ça, regarde le bonhomme, quoi. Allez, hop, tac. Le gros sec. Allez, la Gwyn. Oh, le beauf du palmacho, tu sais. Allez, on se casse. Cette fois-ci, je rentre avec. Voilà. J'arrive pas à savoir si Survive est bien ou non. Bah nous on arrive très bien en tout cas. Et on peut dire que c'est quand même sacrément de la merde. Alors là mon gars, j'espère que personne va commencer à me tirer dessus parce que les roquettes infinies, faut pas me les filer, hein. Ouais, c'est imaginé. J'adore ce truc. Elle est con, vous voulez un petit cadeau? Oh putain, il en reste un là-bas. Je sais pas si je l'ai eu, on verra bien. Petite soirée dans un bar à cocktail qui se finit par un McDo. Oh, Normie. Comme l'autre là, l'espèce de taré là qu'il y avait sur Twitter qui disait ta copine c'est une pute. Genre, depuis quand maintenant vanner sur internet c'est assumer que l'autre il a une meuf? Genre, tu vois, avant c'était genre hey, t'as pas de meuf, t'es pédé machin et tout, tu vois. Non, maintenant, être hétéro, si tu veux, c'est vraiment un truc de pédé, quoi. T'as un lave-vaisselle dans ton hélico, ouais, il s'appelle Paz. Celui sur ton poste sur la Confisbox, ouais, lui, mais il est fou, lui, mec. Hein. C'est un gros psychopathe, lui. Hein. Hey, Chico. Tu demandes à Chico, Chico, il te demande, hey, passe-moi le câble Hawks. Tu dis, t'as pas intérêt à jouer de la merde. Il va se brancher directement en série sur ton Alpine, mec. 230 watts. Il a l'air vachement... vachement sûr de ce qu'il fait en plus, ce médecin. À mon avis, on va pas le revoir. Ça doit être juste un personnage secondaire, le médecin. Ouais. Je pense. Get it out. Pas le temps d'anesthésier? Ah oui. Donc on part carrément sur du ok, du charcutage de gonzesse en plein hélicoptère, quoi. Mais qui demande à Chico de la maintenir pendant qu'il la charcute devant lui, quoi. Oh. Alors oui, vous pouvez regarder si vous voulez. Et vous pouvez ne pas regarder si vous voulez. Et vous pouvez ne pas regarder si vous voulez. Oh, pardon, je vais pas regarder. C'est comme vous voulez. Voilà, l'écarteur c'est un peu chaud. Ouais, Chico, je pense que il va se souvenir de cette journée. À mon avis, ça va rester, hein. À mon avis, ça fait une bonne semaine qu'il va se souvenir aussi. Ouais. Les vacances au Club Med, poteau.
Quand il va falloir raconter des histoires autour du feu, je te promets qu'il va plomber l'ambiance. Hein. Quand il va rentrer en 6ème et que ses copains ils vont lui demander ce qu'il a fait pour ses vacances. Moi j'ai été au zoo. Nous on a été en colonie de vacances. Moi j'ai dans une prison de POW et on a ouvert une copine parce qu'elle avait une bombe dedans. Bon bah prenez tous vos crayons de couleur et puis... Est-ce que je peux prendre des gommettes? Tu sais, t'as tous les gamins qui chantent un petit écureuil qui sautait de feuille en feuille, un petit écureuil qui a perdu son portefeuille, et au fond t'entends We're the kids in America. Bah ouais, elle avait un sacré paquet, hein. Quelqu'un lui a mis une brique dans le cul, franchement ça se fait pas. Hein. Pas d'hémorragie. Pas d'hémorragie. T'es médecin mais tu me prends pour un con sinon. La grosse barrette de shit. Ah bah ouais, y'a un bon kilo 5 quand même. Ah, téléphone. What's up, Huey? Our guests are right on time. Document destruction and hangar decontamination are complete. AFVs have been stowed away. And Zeke's on the sea floor along with a nuke. Voilà, un pick'em. Et c'est là que ça part en couille. Ah oui, c'est le conseil de dénucléarisation. Enfin, c'est pas l'OTAN qui doit arriver? Si, c'est ça. Je sais plus si c'est l'OTAN ou le NORAD ou une connerie comme ça qui doit venir. Ouais, je crois que c'est l'autorité nucléaire. C'est ça, ouais. L'autorité nucléaire d'ultime secours, on l'appelle. En général, on évite l'acronyme. Mais c'est chiant. Parce que tout le monde nous prend pour des cons. Mais voilà. Le Morad. Oui, c'est Morad, il va venir. Ah, c'est l'ONU. Oui, c'est l'ONU. Le mec qui rentre chez lui, il sort la mitrailleuse. Ah oui, non, c'est parce qu'il a vu sur tous les cadavres dans la mer, ok. Oui, je pense que... Ça doit jouer. Ça, Chico? T'as mal au Chico? Non, j'ai mal à là où on a fait une opération clandestine. Ah oui. Et sinon, t'aimes bien les films? Les films de gladiateurs? L'ONU, c'est des gays. Et bah... Là, dans la situation, un peu moins. Putain, j'adore leur tenue, mec. Ils sont tellement incroyables. Putain. Eh, c'est beau les hélicoptères quand même, hein. Y'a pas à ouais, chier, hein. Mate la pose, non mais c'est trop bien, mec, c'est trop classe. Le son est un peu fort, mais c'est fait pour. Oh là 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 là. La 6-4, il a mangé, hein. Toutes les cinématiques du 5, par contre, elles sont super impressionnantes. Ouais, y en a pas beaucoup. Y en a pas beaucoup. Y a d'autres phases qui sont chiantes par contre. Mais d'où l'ONU fait les actions militaires? Eh ben c'est ça le délire funéral. Et oui. Tu vas voir tout de suite funéral pourquoi l'ONU fait les actions militaires. Hoffman. Putain. Tiens, ça va. Tiens. Pas par moi. Elle fait quoi l'ONU là? Ouf. Ça va, c'est bon, il va bien. Y'a pas d'hémorragie, c'est clean, je peux le refermer. Snacks. Snacks. L'eau nul. Mort de rire. Excellent.
Faudra la raconter à Snake pendant que tout l'œuf de sa vie est en train de s'effondrer, je suis sûr qu'il va se marier. Ils ont flingué tous les saisonniers de la MSF. Tous les intérimaires, mec, ils sont tous fumés, mec. Putain, mec, t'imagines le bad? Oui. J'imagine un peu, ouais. Ouais. Y a de quoi se poser des questions, ouais. Ils nous ont joué comme un petit violon. Like a damn fiddle! Give it back! This isn't right, that was ours! We built it, damn it! Ah, mais la vie est une pute, Kazuhira Miller. Eh oui. Il va la tabasser alors qu'elle est encore en train de saigner de l'intérieur, mec. Vide ton sac. Bon, on a déjà vidé d'autres choses. Ouais, bon, je vous laisse. Et voilà, bah oui, c'est le problème. En fait, c'est pas très clair, en fait, il l'explique pas totalement. Faut juste le comprendre, en gros, mais l'ONU, la visite de l'ONU, c'était un prétexte. Et on est censé le savoir, là, ou quoi? Je sais même pas, en fait. Mais Je pense que si. Enfin, ils sont foutus de notre gueule, mais du coup, on est un peu censé le savoir, quand même. Oh là 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 là. J'espère qu'il n'y a pas des petits bouts de métal qui vont rentrer dans la tête parce que ça me ferait chier. Hein. Ça serait dommage. Ouais. Ouais, mais ils disent pas de quelle façon ils sont joués d'eux, en fait. Et, ni par qui, en fait. Ouais, ni par qui. Ils disent juste, bah putain, c'est défini qui est... Bah c'est ça. Certains médias ont rendu la milice privée à vide d'argent responsable du désastre. Le scandale a éclaté quand il a été révélé que le gouvernement américain était un des clients de l'organisation. En réponse, le secrétaire de l'État à la Défense a déclaré que ni les États-Unis ni leurs alliés sont liés à cet incident. C'est tout, c'est leur truc, ça, hein. Même dans la MGS. Pas là. Ouais, c'était pas nous. Entre-temps, les rapports indiquent que les inspecteurs de l'AIA avaient visité le site. L'AIA et l'ONU ont nié toute responsabilité en déclarant qu'aucune inspection de ce genre n'avait eu lieu. D'autres pays ont passé l'incident sous silence. On soupçonne que parmi les clients de cette organisation se trouve... Le nombre de victimes est encore inconnu, il n'y aurait aucun survivant. Cependant, avant et après la catastrophe, on aurait vu plusieurs hélicoptères militaires non identifiés dans la zone. Donc voilà, en fait, il y avait une inspection de l'ONU, mais même l'ONU, il dit, bah non. Mais oui, c'est pas lui. Je suis en train de regarder les registres. Non, il n'y a que dans les Caraïbes. Je suis poussé. Your favorite song. Et donc voilà, c'est la première mission de Ground Zeroes. Ouais. C'est vrai que c'est Harry Gregson-Williams qui fait la musique. Served as a message to others. That ours is a society that murders the innocent. Do you too believe the world? À tes souhaits, Snake. Comme sur le Super Tanker, tu sais, dans 2, où tu peux, quand tu restes un peu trop sous la flotte, tu commences à éternuer et les gens ils te chopent. Et tchè! Et voilà. Bon, il y en a d'autres, hein. De toute façon, on va pas laisser les crédits jusqu'au bout parce que. Non, faut pas les connaître. Voilà, on est pas non plus des. On est pas des Yankees, hein. Mais voilà, du coup, quand le jeu est sorti, si tu veux, on était tellement extatiques, quoi. Oui. Et quand le jeu est sorti, c'était un moment où j'étais en internat. Ah oui? Ouais. Du coup, t'as pas vu le jeu direct? Eh ouais. Putain la vache. Bon, voici, si je suis à l'infirmerie, je fais l'heure que je te blase. D'accord, ok. Bon, ça va alors. In order to contact Big Boss, tell me where he is. Where is Cypher? Where is Zero? Mais c'est. I've never known choice. C'est Skullface qui parle. Where I was born. Oui, c'est ça, oh, oui, c'est Skullface, ouais. Fait chier avec sa langue maternelle. But you, right now, are free. Do as you will. This will save Big Boss. Ouais, d'accord, ouais. J'avais oublié ça. Really? Qu'en gros, Skullface, il a promis à Paz, en fait. Donc, encore, elle a toujours une petite porte de sortie. Non, mais j'ai pas fait exprès. Ou non, mais c'était pas mon but. Ou non, nanani. Tu vois. Et en fait, à chaque fois, elle se fait rouler par tout le monde.
Et finalement, tout le monde se fait enculer à cause d'elle, quoi. Mmh. Oh, Zéro, on sait pas qui c'est, Zéro. Allez, c'est reparti. En fait, elle est trop gentille. Et en même temps, c'est un peu une pute. Bah, c'est ça. C'est quand même... en étant trop gentil, c'est une connasse. Ouais, c'est ça, ouais. Révolution iranienne, présidence Somoza, nicaraguayenne, URSS envahit l'Afghanistan, début de la guerre Iran-Irak, naissance du premier enfant du docteur Huey Emrich Hall, attentat suicide frappe l'ambassade, les États-Unis envahissent la Grenade, les camps X-ray, un site secret de détention réservé aux ennemis des États-Unis est installé à Guantanamo, Cuba, président des États-Unis s'engage publiquement à faire fermer la base de Guantanamo. Mouais. À suivre dans The Phantom Pain. Mais pas tout de suite. Ce sera au prochain stream. Qu'est-ce qu'il est stylé ce jeu, putain. C'est toujours extrêmement compliqué, hein, de façon, le scénario. Ça, on n'y échappera pas. Je sais pas s'il y a un seul mec qui peut dire vraiment qu'il comprend tout. Tu vois ce que je veux dire? Il y a forcément des zones d'ombre. Tu peux être expert genre d'un jeu et de connaître par cœur le jeu et le scénario du jeu, mais pas de la licence, en fait. Je pense pas, ouais. Parce que un des gars qui connaît le mieux que je connaisse, Adwim déjà il connaît beaucoup, mais lui c'est pareil, il y a les zones d'ombre, même quand on en parle, il y a un peu les zones d'ombre. Et c'était Warren il connaît vraiment sur le bout des doigts en fait. Et même avec Warren on avait de gros débats pour savoir Liquid par exemple, est-ce que c'était son délire, ou Solidus, et trucs comme ça, tu vois. Et tu vois que même pour les gens qui connaissent ce truc par cœur, il y a rien qui est vraiment clair, quoi. Attends, il me lance directement sur MGS5 là. Paz, c'est la pitoune de Berserk qui se fait abuser par tout le monde, mais en version moins mûre. Ouais, c'est ça. Et la pitoune, elle s'appelle Casca, s'il te plaît. Un peu de respect. Ah oui, pendant un moment, ouais. Tu peux pas parler un peu plus fort, par contre, docteur Mizovic? Bah, 9 ans, voilà, c'est ça. C'est ça. Et vu que ça se passe en 75, et que 9 ans ça se passe en 80... Enfin, que... Là ça se passe en 84 et que ça fait 9 ans, alors c'est en 75, du coup c'est vraiment passé vraiment juste après... Ouais. C'est ça, ouais. Et pour le coup, les jeux ils se suivent plutôt bien quand même. Entre le 5 et le 1... Ouais, si, quand même, t'as raison, ouais. T'as un gap, hein. Ouais. Après, bon... Ça, en même temps, c'est... Oui. Oh, puis merde. Entre le 4 et MGR aussi, il y a le 3 ans. je crois, oui, ça se passe... MGR se passe quand même... Attention, il est pas vraiment canonique, je crois. Je crois pas. Hein. MGR, mais... Je crois même pas que Kojima, il était au scénario sur MGR. Bah, justement, c'est ce que j'allais dire, je crois pas. Du coup, déjà, si tu pars du principe que Kojima était pas dessus, c'est que c'est pas canon. Bah, c'est ça, ouais. Et du coup... On a les missions secondaires. Je sais même plus comment on fait pour débloquer les autres missions. Je sais plus. Je crois qu'on va faire des trucs particuliers pendant la mission de... Ouais. Ça, t'as les missions secondaires, bien sûr. Ça, faut péter les postes anti-aériens. Fais voir juste cela. J'ai juste envie de voir revoir la map de jour. Parce que la map est vraiment jolie, je trouve, en fait. Après la victoire de la guerre hispano-américaine de 1898 débouchant sur l'indépendance de Cuba, les États-Unis se virent offrir une petite portion du sol cubain qu'ils placèrent sous juridiction militaire. Ils en ont pas fait que des jolies choses. Au lendemain de la révolution cubaine de 1859, les États-Unis ne comptèrent pas évacuer. L'aggravation des tensions entre les deux pays se matérialisa par la pose de vastes champs de mines séparant le site de l'intérieur de Cuba. Ouais. Aujourd'hui, les Marines en poste sur un camp de prisonniers installé à la pointe du sud de l'île de Cuba. Ouais. Voilà. Bravo les US. C'est pas très très respectable. Une recréation pseudo-historique, 21 décembre 74. Boss, you need to make contact with the undercover agent posing as a soldier at the base. He'll pass you a cassette tape. Portable Ops et Canon. Tu crois à ça? Oui, si, quoique, oui. Il y a des éléments de scénario, mais est-ce que c'est vraiment intégré au truc? Je sais pas. De ouf qu'il est Canon, ah ouais? Mais c'est juste, je pense que ça a induit en erreur parce qu'on en parle pas beaucoup en fait de Portable Ops. Ouais. Quand est-ce que je dois me casser?
Pas exactement ce que je peux foutre. Putain, y'a déjà des mecs qui me voient, bordel de merde, je suis vraiment pas discret là. Merde. Le con. Voilà, tranquille. Déjà un mort, la mission vient de commencer. De toute façon, je vais pas la continuer, c'est juste pour être un peu de jour. Est-ce qu'il y a des nouvelles armes? Je sais même plus. Je sais plus si. Je crois qu'on peut marteler la touche aussi pour crocheter plus vite, mais je me souviens jamais. Tac. Je sais pas. Il y a plein de petites subtilités en fait de gameplay comme ça en fait dans le jeu. Qu'on oublie assez souvent. Bah, dans beaucoup de jeux de Kojima en fait. Bah, c'est ça. Regarde comment c'est joli. Regarde les textures et tout, mine de rien. Bah, ouais, c'est super joli. Qui c'est qui me voit là? C'est pas le gars dans la tour là-bas? Qui c'est qui me voit? Ah, c'est toi là-bas? Ah, mais merde! Ah, j'étais de bons yeux, trou de balle! Attention, bip! Schnook! Et bah voilà! Ouais, la mâchoire, ça part moyen les balles, hein! Attends. Non! C'est rien! Il y en a un autre. Bon bref, de toute façon, je vais couper là. J'espère que ça vous a plu. Du coup, la reprise de MGS et la fin de Peace Walker. Donc je pense que la semaine prochaine, pourquoi pas, on se tenterait un peu plus de Ground Zeroes et le début de MGS 5 du coup. Ce serait fort sympathique, me semblerait. Que c'est quand même des jeux qui valent le coup, selon moi. Et oui. Et voilà. Bon, du coup, voilà, on va couper là. Gros bisous, bonne nuit. Tu sais quoi, non, attends, on va hoster une chaîne. Faut pas que j'oublie. J'aimerais bien commencer de plus en plus à hoster, mais le problème, c'est que j'oublie à chaque fois. Mais mec, à chaque fois, il y a E.T. qui stream Oblivion. Il y a E.T. qui stream Oblivion, mais attends, je voulais voir genre sur d'autres chaînes. Genre, Metal Gear. Est-ce que dans les chaînes françaises, tu penses qu'il y a des mecs qui sont en train de streamer Metal Gear? Je ne sais pas. Comment on fait pour voir? Je sais même pas comment on fait. Tiens, Metal Gear, Solid. Ah ouais. Il est où, Peace Walker? Tu crois qu'il y a des mecs qui streament Peace Walker dans le monde? Putain, il y a personne, mec. Il y avait personne, quoi. Et Metal Gear Survive, non, on va quand même se garder la... Ouais, non. La surprise. Mm-hmm. Ground Zeroes, on est les seuls au monde. Putain, mais... C'est pas possible. Metal Gear de manière générale, au pire. Mais même... Mais, en fait, je peux pas vraiment chercher par juste Metal Gear. Je crois. Si, Metal Gear Solid. Si, quand même. Si, ouais. Et je sais même pas comment on fait pour voir, du coup, genre les chaînes françaises. Je sais pas. Je connais pas Twitch. Mais mec, c'est tellement bordélique, leur truc, mais... Enfin, si, je pense que t'imagines, mais... Ouais. Et tiens, rétro, il y a quoi dans rétro? Petite chaîne française qui fait du rétro là. Allez. Non, lui il a trop de viewers, ça me gonfle. Oh, Max Payne. Oh, ça c'est cool ça, vas-y, lui. On va aller voir ce qu'il fait, lui, Dak. Il est normalement sur Max Payne 1. À mon avis, il est sur Max Payne 1. Du coup, on fait un gros bisou. Je vais lancer le raid sur là-bas. Et puis voilà, on se retrouve. De toute façon, demain on stream aussi. Je sais même pas ce qu'on va faire demain, on a même pas dit. Mais on verra bien. Ouais. Allez, bisous, ciao. Ciao tout le monde. Bisous. Bisous.